Et donc voilà, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite vidéo de présentation. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et donc voilà, j'en fais enfin une vidéo et même sans doute plusieurs dans une journée finalement. Après bon, je pense pas que je vais les publier. En même temps et dans la même journée, hein, voilà. Enfin, du moins dans la journée où j'enregistre ces vidéos, pardon. Et donc là, on va tester. Alors, j'ai déjà testé, mais voilà, je vais vous faire la présentation maintenant de Bus Simulator 3D. Alors, déjà, à vrai dire, il a deux noms, ce jeu. Alors, il s'appelle. Alors, il peut s'appeler Bus Simulator 3D, comme c'est écrit en fait ici dans le menu du jeu. Ou alors, ça va s'appeler Rail Simulator 3D ou Rail Bus Simulator 3D. Enfin voilà. Bon, déjà, ça prouve vachement qu'ils ont bien travaillé le jeu. Et vous allez voir que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout et non. Bien évidemment, dans ce jeu, qu'est-ce qu'on peut contrôler? Et ben voilà, des bus. Donc voilà, donc avec, voilà, attention, pardon. Alors oui, alors je joue via le Windows Store. Donc je joue sur PC, voilà. Donc là, alors là, qu'est-ce que je fais, etc. Donc je contrôle les bus. Voilà, un bus, un réacteur. Donc pour les contrôles, c'est le fait sur le clavier. Alors, je suppose qu'il y a d'autres contrôles. Ah, attends. Hop. Ouais, voilà. C'est un autre. W pour accélérer. Ouais, A pour aller à gauche. D, je pense, pour aller à droite, du coup. Ouais, voilà. Hop, oui. Alors, attendez, il faut que je... Voilà, hop, c'était pas pareil que je voulais aller. Voilà, bon. La maniabilité, voilà. Assez nul. Parce que bon, t'as l'impression que le car il glisse quand même. Un car, normalement, ça glisse plusieurs kilos, c'est pas tonne quoi, c'est vraiment pas glisser quoi. Là, j'ai l'impression que c'est une route ultra glissante que je dois avoir. Avec des roues ultra glissantes. Bien évidemment, faites pas comme moi les enfants. Appelez. Ça peut être pas mal aussi cette sorte de jeu de caméra penchée un peu. Ça peut être pas mal. Sinon dans ce jeu, quand vous atterrissez la première fois dans ce jeu, vous atterrissez comme de la même façon que j'ai atterri dans ce jeu. C'est-à-dire que vous atterrissez comme ça, pouf, en plein milieu de du jeu, enfin en plein milieu de la carte, et vous avez strictement rien à faire. Il n'y a aucune mission, rien. C'est un ennui assez monstrueux. Il n'y a vraiment rien à faire. Vous pouvez faire, enfin taper peindre le véhicule, vous n'aurez aucun dégât. Et la physique du jeu est assez chelou également. Alors si je pouvais tenter le jeu à collisionner. Hop! Ah ben j'ai pas vraiment totalement réussi. Attendez, on va essayer de trouver autre chose. Attention. Hop les! Ouais voilà, comme ça voilà. Vous avez vu comment elle a respawn la voiture? Elle a fait un peu des tourbillons, elle a un peu monté puis elle a respawn. Ah. Alors, vous pouvez taper les voitures de tous, les cars, etc. Il n'y a aucun souci. Comme si c'était rien passé. Attendez. Porte police. Ah non, c'est pas la voiture de police.
Ça, c'est la voiture police. Voyez le tourbillon que fait notre voiture. Hop, les. Et je sais même pas comment elle a réussi à reprendre ses roues, mais bon. On est sur ses roues. Mais... voilà, la maniabilité est pas top. Le squeezy du jeu n'est pas top non plus. Le jeu, il a un monstre. Voilà. Ah oui, alors je vous ai pas dit qu'on pouvait changer de bus. On peut changer de bus. En cliquant sur ce bouton ici. Voilà, notre bus. Bon, ça, j'aime pas, j'ai jamais conduit. Voilà, on a 5-6 bus comme ça, je crois. Voilà, on a vite fait le tour. Vous regardez celui-là, je trouve que c'est le plus classe. Alors oui, quelquefois dans le jeu, on a aussi des pubs qui apparaissent. Ça, c'est un petit peu embêtant. Bon, attention. Hop, les bruits des dérapages, franchement. Je suis sûr qu'à la base, il est quasiment impossible de faire des dérapages. Wani! La feuille. Petit camion. Ou camionnette. A failli passer par-dessus. Hop les! Voilà donc. Et aussi on peut. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Regardez ce que ça va faire, voiture. Bouf! Mais elle a quand même réussi à passer en respawn. En respawn. Donc voilà, donc c'est assez chelou. Regardez, elle va faire la même chose. Ah non. Ah! Bon, la jouabilité n'est pas top. Alors, il n'y a pas d'autre caméra dans ce jeu. Attention! Et. Oh, il y a voiture qui rebondit. Voilà. Hop là. Attention à la voiture. Hop là. Ah non, elle est même pas tombée. Hop là. Bouge. Bon, voilà. En tout cas, oui, on peut respawn automatiquement en appuyant sur la touche R ou en cliquant ici. Donc là, voilà. Alors, attention, respawn. Il y aura. Alors, attendez, je vais appuyer une fois sur respawn. Voilà. Et je vais appuyer plusieurs fois d'affilée sur la touche R pour respawn. Attention. Ouais, je décolle. Ouais. Voilà. Et attention, là, je vais atterrir. Attention. 3, 2, 1. Ça a atterri, mais parfaitement, quoi. Il n'y a pas de rebond, hein. Là, voilà, on va aller vite fait dans ce tunnel et puis hop, on va ressortir. Et puis voilà, on va s'arrêter là. C'est la voiture. Boum! Parce qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus dans ce jeu. Ouais, donc aussi dans ce jeu, il n'y a pas d'autres caméras. J'ai essayé d'en trouver, je n'ai pas trouvé. Il y a un coup où est-ce que j'ai réussi, je ne sais comment,
avoir trouvé une vue. Je sais pas comment j'ai fait. Tiens, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc là, voilà un jeu qui est complètement pété. Autant le dire direct. J'ai fait crasher le jeu. Ok. En fait, faut bouger la souris. Là, voilà, donc c'est cette vue-là, à peu près, que j'ai eu. Sachant que je sais vraiment pas. Franchement, je sais vraiment pas à quoi elle est censée servir, en fait. Franchement. Si quelqu'un a une idée à quoi sert cette caméra, dites-le moi dans les commentaires. Parce que là, j'avoue, je ne sais pas. Je crois que j'y vois mon car. La maniabilité de cette caméra. Voilà, donc on voit mon car. Ah, non, mince. Attendez, il faut que j'aille à deux mains, à mon avis, pour contrôler la souris. Et encore. Voilà. Au pire, ça peut servir pour de faire de beaux screenshots. Mais à part ça... ça sert à quoi? Je vais appuyer sur la touche C. Voilà. Mais j'avoue, j'ai pas compris. Voilà, en gros. Hein. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi la présentation de ce jeu Simulator. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres jeux aussi captivants ou pas. Voilà. Allez, à très très bientôt. Ciao! Que sur le virage de Vanderpage.